Donc j'ai invité pas mal de jeunes des cités qui viendront s'exprimer, 91, 92, chacun dira ce qu'il pense de sa cité, et voilà quoi. Très volé. Votre collaboration avec les grands rappeurs, enfin, on va dire les grands rappeurs, les rappeurs les plus connus à Paris, il y en a eu, il y en aura, ou c'est un projet? Si cet album, comme je vous ai dit, non. C'est que les jeunes que j'essaie de promouvoir, d'essayer de s'exprimer aussi, parce que je sais qu'en France, le plus souvent, les majeurs s'intéressent le plus souvent aux artistes connus. Ils font que des featuring, voilà, qu'avec des artistes connus. Mm-hmm. Et moi, j'essaie de sortir un peu ces jeunes qui n'ont pas ces moyens de s'exprimer au grand public. Mm-hmm. Voilà pourquoi j'ai fait cet album, mon premier album, que des jeunes sont connus. Qu'est-ce que la musique peut apporter à ces jeunes-là? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Moi, je pense qu'à ces jeunes, s'ils ont déjà des aspirations pour la musique, ça peut les changer la vie, voilà. Donc, de quelle façon? Le disque se vend mal, ça c'est les choses que Morgane aime dire. Est-ce que la musique les calme un peu? Il y en a certains, j'ai rencontré, qui me disent qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail. Donc j'ai dit, ben, c'est quoi, qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie? Ils me disent, ben, j'aime danser, j'aime chanter. J'ai dit, ben, pourquoi pas essayer, il faut toujours essayer dans la vie. Donc, moi je pense que la musique peut peut-être sortir ces jeunes de la galère de lancer une offensive. Exactement. Qui ne restent pas sans rien faire et qu'ils aient des influences à vouloir faire des trucs pas bien dans la société. Et tout. Je rebondis, ça ne donne pas une génération de rappeurs de plus de 35 ans qui n'a jamais sorti d'album, mais qui te dira genre, mais j'attends, mon album va sortir là. On en connaît plein, donc toutes ces raisons, ils ont un talent, ok, il y a que le savent bien sûr, et ils attendent justement, parce que justement ils ne trouvent pas de travail, mais ils n'en cherchent plus parce qu'ils vont en studio, et ils passent leur nuit et leur journée en studio, mais arrivés à 40 ans, ils attendent, oh, ça va sortir, j'ai un gros truc arrive. Et ça n'arrive jamais. L'espoir fait vivre. Yes. Exactement. Donc, je reviens à la première ronde, je dirais, celui-là que vous avez dit, qui attend, juste à la sortie, qui le dit à tous ses amis. Moi, je dis un truc, c'est, vous savez, le talent, on l'achète pas, c'est un don. Bon, moi, je pense que c'est ce truc-là qui vit, c'est cette passion. Voilà la raison pour laquelle ils me disent chaque fois, je vais sortir mon album, il viendra. L'album a été produit par l'association. Ouais, au début, mes maquettes, voilà, au studio, c'est pas mon association que j'ai créée. Mais bien après, donc voilà, le label est arrivé bien après et c'est eux qui ont finalisé tout le projet. Le label a finalisé tout. Ils sont rétribués, tous ceux qui ont participé à cet album. Hein. Tout à fait. Justice, c'est la générosité. Ouais, exactement. C'est le nuit de doigts là. Exactement. Ouais. Ils le savent très bien, tous ces jeunes qui ont figuré dans mon album, je leur ai fait des contrats. Ouais. Et c'est vraiment de mon association. Donc tous ces contrats, si le CD est vendu en euros ou 10 euros, etc. De la musique, parce que vous venez du Cameroun, on va pas se le cacher, de cette musique-là, je sais que le Cameroun est riche en rythme. Quel est le rythme qui vous accroche le plus au Cameroun? La musique de chez moi, par exemple, c'est du... Il y a du Makusa, c'est toute une variété. Il y a du Makusa. Quel est celui qui vous... Mais je dirais plus du Makusa parce que voilà, c'est la musique de chez vous. D'accord. Voilà. Donc, nous allons à présent passer à un art. Tu fais du karaté? Non, pas du tout. Mais taekwondo, judo. J'ai toujours aimé ce genre de sport. On se bouscule pas trop. Exactement. D'accord. Lui, un clip. Celui-là, c'est vraiment le Love Me Tender. Exactement. Hein? Ce que vous souhaitez, et ça fait, vous l'avez appelé, tu me manques. Tu me manques, c'est ça le titre. Qui vous manque? Ben, c'est mon ex. Oh, c'est triste. Donc, voilà, elle est partie, et c'est de ça que je me suis inspiré. Ben là, voilà. C'est une chanson qui est relative à votre histoire. Dit, voilà, une histoire d'amour et tout que j'ai vécu, et voilà pourquoi je l'ai écrite, et je pleure, voilà, si elle peut revenir, tant mieux. Regardez et écoutez cette chanson et regardez surtout la technique qu'il a employée pour la réalisation de ce clip. Amour, bébé, que je fasse ma prière. J'ai pas que toi dans les pensées, ma chère. T'es ma copine, ma soeur, ma mère, bébé. J'aime pas quand tu me fais cette de mes manières. J'apprécie ton caractère, ta façon de faire. Prise des choses aussi, c'est aussi ce qu'il dit. Mais quand je fais des couchements dans la nuit, je me trouve quand je me sens protégé. J'aime ton parfum, ta crème, ton odeur, t'es ma destinée, ma fleur, l'unique de mon cœur, bébé. Accepte-moi tel que je suis, pas pour ce que je suis, bébé. Plus je t'en prie. Tu me manques, bébé. Reviens, je t'en prie. Je peux te tenir tellement, tu me manques. Tu me manques dans mon cœur, bébé, tu me manques. Tu sais quoi faire tellement, tu me manques. Je peux te tenir tellement, tu me manques. Tu me manques dans mon cœur, bébé, tu me manques.
j'en vois pas la raison, bébé. Ouais, car c'est moi qui ai fait le premier pas. Ça s'achève ainsi, épilogue. En tout cas, bravo, quelle réalisation. Merci. Alors voici les Girl Stylers. Les Girl Jumper Stylers, comment allez-vous? Très bien. Et vous vous appelez, parlez un peu plus fort parce que j'ai plus que près, micro. Plus près, monsieur. Venez plus près. Très bien. D'accord. Très bien, merci. Ça va. Vous habitez de là aussi? Non, malheureusement. D'accord. Où exactement? J'habite sur D'accord. C'est... Montréal. Malheureusement, vous aurez souhaité être prêt. Deuxième style. Oui. Non, mais je vais prononcer avant, après, au lieu de bon. Elles sont toujours avec moi, de toute façon. Avec vous, faites confiance. Hein, voilà. Et vous, comment vous appelez? Shaina, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce style de musique qu'il pratique? En fait, il mélange un peu tous les styles et c'est un peu tous les styles que j'aime. Donc, Et vous dansez? Oui, je danse. Faites quelque chose, faites un petit pas, là, je vais voir. Il faut qu'elle danse. Ouais, place, bon, qu'elle alors, bon. Voilà, faut qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle soit à l'aise. Allez-y, courez. Ça va bien. D'accord. Et vous avez donc, dans ce clip, on a vu une demoiselle qui fait partie de... De mon agence. De votre agence, vous avez une agence. Oui, j'ai une agence de modèle artistique qui s'appelle Soupacats. Donc, je travaille en collaboration avec Jumpstyle depuis son premier clip, donc c'est Styler. Le deuxième clip, toutes les filles qui font partie du clip sont de Soupacats, de mon agence. Donc, on est en partenariat, collaboration, on travaille ensemble depuis maintenant plus d'un an. C'est très bien. On essaye d'avancer, on a le même état d'esprit, on a la même motivation, donc on essaye de travailler. Ça se sent, il y a une belle fusion. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé au sketch aussi. Ouais. Merci. Mais ça, elles ont du talent. Allez, faites quelque chose, Reina. Shaina. Allez, allez-y. Mettez-vous dans la lumière, hein, sinon rapprochez-vous là. Voilà, entrez dans la lumière. Faites-nous quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir un peu de zik, s'il vous plaît? Pour finir véritablement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, moi, je vais. Est-ce qu'on peut faire un peu de faire bien moins que Qui a dit ça, ce sera pour demain. D'accord. Ok, on se retrouvera demain pour parler justement non, on n'a vraiment pas le temps parce qu'il y a l'émission, l'entretien avec Serge Millet. Les téléspectateurs l'ont apprécié. On a retrouvé un mec qui est